Bonjour, bonsoir, c'est Arcade. Aujourd'hui nous allons s'intéresser à un SCP très connu de la franchise SCP, bien par sa popularité, mais également car c'est l'un des tout premiers de cet univers fictif. Je veux bien parler du SCP-173, appelé également la statue. Transféré au site 19 en 1993, origine inconnue jusqu'à présent. Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de marque Krylon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime à la base du crâne, ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173 en toutes circonstances et ce jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de grattement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur de la LGED en service. La substance brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire.